Très chers internautes, bonjour, bienvenue, mesdames et messieurs, ici quand vous allez vous retrouver. Nous sommes encore là pour vous informer de partout. Donc, nous sommes allés pour le Bela, Congo, Congo démocratique, notre très cher dénominateur, quand même, dégna le mécénat pour le bas chaque jour. Merci aussi à l'équipe technique, où vous êtes déjà prêts pour tomber quand vraiment pour mettre à l'issolo dans Katiambo Cannabiso. Le ministre de la Justice qui a lourdu la procédure d'obtention et un certificat de nationalité, on va en parler. Donc, pour avoir un certificat de nationalité, il faut les cas, dans le deuxième, dans un air, identifier où. Les propos de Eliezer Tambwe, député national, à l'Obakini, pour n'aille, le PPRD est rentré au pouvoir. D'une autre manière, on va entrer en détail dans notre émission, le renfort des Fardes est venu de Kisangani et Kananga déjà à Lubero. Le M23 sont en difficulté pour s'en sortir. Question de laisser la République et d'autres informations. Oyo, Tokopé Sabino, au courant de notre émission, Tokosenga toujours, vous allez vraiment préparé avec beaucoup d'attention pour nous suivre, mesdames et messieurs, quand je vous parle là. Renfort et outil vraiment, Lubero et outil Kananga et outil Kisangani pour Lubero. Donc, M23, Corneille Nanga, ça a difficulté pour le moment parce qu'ils seront vraiment encerclés et tués. Déjà, le phare d'essai à Bouté Modène à Outikoloba. Ils sont butés importants boucliers de l'armée congolaise des Ouazalendo au village des Alubingo. C'est ça l'information. On peut vraiment commencer par là. Donc, dès que tu as boué, phare de C, ça va monter en puissance. Ils ont moko y a ba décision. Moko zamboka azoaki tango a sangisaki. Ba kozi ya mapinga ya mboka na biso. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. On doit se prendre en charge et une information aussi par rapport à la coopération militaire avec le l'Ouganda. Compagnon Ezali Kosala, ma blende Ezana Ouganda. C'est une rectification. Donc, on coopère avec ce genre-là et non l'Ouganda. Mais, quelque part, on a toujours de l'inquiétude par rapport, il y a Mboka Uganda, au Talandenge, Nazali Kosala Biso Awa. Mes compagnons, Wana Sikoyo, Ezali Nakati à Uganda. Mesdames et messieurs, toujours la question de l'Est. Après le renforcement, il y a FARDC. Dans le Lubero, Baouti Kisangani, Baouti Kananga, effectif, ils ont vraiment multiplié, je peux dire, FADIS, par rapport. Il y a Batou Bazalakana et la République. Mais j'ai suivi le général Chico. Le général Chico qui dit quoi? Battre en retrait à naturel ennemi est une stratégie dans l'art de la guerre pour ensuite l'attaquer lorsque la moitié de ses effectifs est arrivée sur terrain. Bien sûr, le général Chico. Azali ko la ki sabiso ke. Oti ke l'ennemi espace à kota. Ezali stratégie. Mais bounagana, bazouaka yango par l'ennemi. Quand je vous parle là, nous avons quatre territoires qu'il faut récupérer, monsieur le général. Nous avons quatre territoires qu'il faut récupérer. Aujourd'hui, vous voyez qu'on a Kanyabayonga, cité de Kanyabayonga. Rwindi a été récupéré. Bah, il y a eu non. L'armée réplie à qui? Et maintenant, il faut passer à l'appartement. Rwindi a été récupéré. Rubaya a été récupéré. Toujours de même propos. Toujours de même propos. Vous avez la confiance de la population. Vous avez la confiance de tout un peuple. Vous avez la confiance du président de la République, qui est le commandant suprême des forces armées. Et nous voulons que Bossala Moussala, Bobengana Banguna, quand les Rwandais sont dans notre pays, moi, ça me fait mal. Je dis que Rwanda, Atindi, Soda,
va occuper l'occupation. Ce n'est pas que tu as une stratégie militaire, parce que tu as une arme militaire. Mais ici, il y a une question de l'occupation, peine à pillage. Et tant que tu as eu un renfort et à faire des outils qui sont gagnés, peine à Kalanga, j'étais très content. Monsieur le général, ah ouais, c'est le Kambouya, occupation. Ils occupent des bazo bunagana, bazo pusana, bazo tala bisika minureza, place richesse za. De ba récupérer bunagana, ba récupérer windi, ba récupérer rubaya, ba récupérer lelo. Ba village ebélé. Et la cité de Kanyabayonga, où ils arrivent vraiment, lié mon cause stratégique pour eux, bah, étudiants qui sont tous les Kanyabayonga, on aura vraiment à contrôler des provinces. On aura vraiment à contrôler des provinces. Parce que Kanyabayonga, d'ici qu'ils arrivent vraiment, ils ont entre les deux provinces. C'est une question de l'occupation. L'occupation rwandophone. Bien sûr. Dans l'armée militaire, le retrait, ils ont attiré l'ennemi, mais ils ont des supplétifs. Mais ça, quand ils ont maté, Rwanda a occupé nos territoires. Et je suis sûr et certain, avec l'arrivée massive à FARDC, cette fois-ci, je ne sais pas, parce que selon les informations, va FARDC, façon Batiti, va encercler M23. Va encercler M23. Ceux qui t'ont commis au mois de décembre et que Bounaga les a récupérés, là, il faut une autre solution. Là, il faut prendre d'autres mesures. Avec tout ce qui se passe aujourd'hui, parce que je voudrais rallier ma propos et ma politique de soi-disant opposants à ce qui se passe là-bas. Nous avons un problème de l'occupation. Nous avons un problème de l'occupation. Il y a un outil qui a démontré et condamné même le propos du général Chico. Parce que quand vous repliez, ils occupent les territoires. Vandewana, va comme on fout qui s'abat tout pas coup, va comme on sale n'importe quoi, va comme on pille minéré, va comme on tindi caron à Rwanda, va comme on viole basi. Mais, on nous dit que, et ça n'a qu'à sa stratégie. Mais il y a un certain Moïse Katumbi qui nous dit que les lois qui m'ont développé, parce que leadership a mal à mes alités. C'est pourquoi sur ce plateau, on a condamné qui m'a cassé à propos. Il y a M. Jean-Lucien Moussa. C'est Moïse Katumbi maintenant qui nous dit que, ah non, ce qui m'a été développé, parce que leadership a mal à mes alités. Mais le pays est en guerre. Comment on peut développer Kanyabayonga? Comment on peut développer Rubaya? Comment on peut développer Rutshuru? Comment on peut développer Bunagana? Si Bitumeza place Wana, c'est comme ça que vous allez diriger le pays demain. C'est comme ça que vous allez diriger les pays. Vous parlez du développement, le pays en guerre, mais vous parlez du développement. Moi, j'encourage les CJU Kabouya à répondre à qui est pour lui dire qu'on ne peut pas développer un pays en guerre. Nous avons un problème ici. Mindele, Balingue, concédé et sa République, que pour eux, il faut Bazalawana. C'est pourquoi vous voyez Bazalawana a quoi alimenter le pays voisin, alimenter du groupe rebelle. Pour faire mal, pour pas éviter ceux qui t'ont occupé une partie, les restes ici, ça va bien là. Yo, le vim, yo, qui m'en bat.
Moïse Katumbi. Nous avons un problème de l'occupation des nations qu'on explique en haut. Même à propos, il y a général Chico Tozako condamné parce que tant que nous avons Sima, c'est une occupation, des avantages, et ça occupation. Parce qu'on occupe le territoire Nabiso. Et Bounagana aujourd'hui, ça fait combien de temps? Monsieur le général. Ça fait combien de temps Bounagana les a occupés? Ça fait combien de temps Windy les a occupés en complicité avec les chefs coutumiers ou à côté de Saka ba rebelle? Et ces messieurs Tinelo Batikala qui ont inquiété étaient à Windy. C'est que je dis, le général Chikoye bien ou très bien. Un pays qui souffre comme ça, est-ce qu'on peut parler du développement? Développement est pour y aller l'autonomie. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Donc, nous soutenons toujours le FARDC. Ndenge ba kiti sur le terrain. Ba encercler ba M23. Ba bundisa bango. Et le mot, na ba namboka, ya wazalendo. Tout le monde a battu à Sadek. Ah, ou à Poba. Le bureau, non, poto bunda, il faut pas le moulin ou à Zalendo sur le terrain. Mais attaquer le M23, ou à Zalendo, bata la même ligne à front avec FARDC. Mais vous, vous allez attaquer le M23. C'est là où j'ai compris que Mbo Kanabiso, ils ont au centre la complicité sur le plan international. Nous tenions surtout Rolingaboye, Ayako et Debiso. Bah, rien qu'on empêche, non, tu ne peux pas ici. Ton souhait est toujours ma casse, n'a pas faire d'essai. N'est-ce pas quitter sur le terrain? Il faut que Corné Nanga, Willy Ngoma, parce que Kouda est commis, groupe rebelle, il y a Corné Nanga, n'a pas M23, n'a pas expliqué à Bino Aou. Bas à la vraiment bouté dehors. Et aux opposants, il faut savoir quel discours tenir. Il faut savoir quel discours tenir. Le parti Ensemble n'a jamais condamné le Rwanda. N'a jamais cité le Rwanda. N'a jamais condamné ce qui se passe à l'est de la République. Le parti Ensemble, Moïse, quand tu mets Longona et Moko Moïse. Moïse qui n'a pas la maîtrise sur ce qui est dit dans la Constitution. Est-ce qu'on peut compter sur une personne comme ça pour diriger le pays demain? Je ne pense pas. Mesdames et messieurs, on change de chapitre. On va parler maintenant na Maïmatali, certificat de nationalité. Certificat de nationalité. Et bien, vous retournez à certificat, c'était Bato Bazana Poto, Bato Bazali Bandambo Cannabiso, Bayu Makambo na Koloba. Pour tout le monde, Bato Bazonga Kasusu Awa, pour qu'on soit certificat de nationalité. En tout cas, pour cet acte, je tiens sincèrement à remercier les ministres de la Justice. Va penser à Elo Komoko Yamalamu pour l'intérêt de notre pays et aussi pour éviter infiltration dans notre pays. Malgré, Nasa d'accord, on a été, Nalikambo et Ali dossier à Nicolas Kazadi, Monsieur Kazadi, il semblerait que à Tobolaki, Moufoukou y a l'État. Mais Batiki, M. Kazadi, a son avion qui est de Paris. De ce côté-là, avec le ministre de la Justice, le PGE, procureur général, je ne suis pas d'accord avec eux. Mais décision, on va y soit, au moins il faut féliciter. Parce que Yamalam, tu es commis. Yamabe, tu es condamné. Tu es l'ingaté, anti-valeur. 64 ans plus tard. 64 ans plus tard. 64 ans. De vivre en impunité, non. Ministre de la Justice a su décision. A lobby, certificat.
ya nationalité po yo ozwango po ozwango il faut oleka na aner il faut oleka na deuxième po kala ezala ke kaka soko ke 5 certificat de nationalité oyo ezali ko reconnaître ko zali kongoman kala ezala ke kaka soki osali et pas ok par rose mutombo kuna le ministère de la justice, le ministre de la signé aux yeux de la moko. Non! Maintenant, il faut contrôler les anneurs. Service du renseignement. Parce qu'ils ont un service intelligent. Il y a une toute information. Vous voyez qu'il n'y a pas de belle. Par exemple, un certificat de nationalité. Bandaka na taille à Kabila. Tina mandat est libre à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ba paye ebele moto akoya aboye abundi abimisi certificat de nationalité. Certificat de nationalité. Place infiltration ya mboka na biso ebandaki yango wana. Place vraiment infiltration ebandaki yango wana. C'est pourquoi na lobaka ce qui le lombo ke za infiltré. Ce qui est l'ombo cannabiso, to komi na niveau, to komi, infiltration dans l'armée, ils ont battu il y a 18 ans. Oh, les gens à l'andipe, de konanga Eliezer, na kokoma awa na makamolobaki, a ebisi bango bakoki kovanda kimia pendant 50 ans. Parce que nos services de sécurité, loko la DGM, loko la ANER, na kati ya accord ya 23 mars. Accord ya M23 oboyo kakawana. Ba senga ki na Kabila ba service oyo la contrôler. Na ba paya. Maintenant, moyen ya ko obliger ba to bazo certificat de nationalité ezala kiti. C'est grâce ya mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nde ba miki ko nettoye ba service wana. Ba tu mousousu ba miki melaki. Po ba comprenne ki kote tozo kende ali. Mobulu. Et maintenant. Ane. Egoye ba so kinga. Nazali kongomani. Na koki kozo certificat ya nationalité. Okoye kozo nga pe na oboye. Kozo nga partir ya bichi kuna oye awa. Okomi. Ok, le ministère de la justice. On se fait enregistrer au foutu et c'est qu'on fout. Ma kamatika certificat, ma PCO. Mais sans toutefois, aner eye bakeyo, aux yeux certificat. Donc, ça n'a pas un problème. Pourquoi ça n'a pas un problème? Direction migration. Et c'est là qu'on a enregistré. Yote. Ou soit, tu comprends que ça n'a pas un problème sérieux. Nambo kanabiso. Mais bakamatika ka certificat de nationalité ba PCO. Nous avons besoin ya ba décision ya boui. Ba décision ya boui. Ba ndeko infiltration boyo kakawana infiltration ba prepara ki yango. Apport ya 23 mars et détruire mbo kanabiso makasi. Et Joseph Kabila et son régime pour beaucoup. Otomoni lelo ba koloba ba Ferdinand Kamere ba koloba na retour à Joseph Kabila kabange na pouvoir. Mais ce qui te permettre ce retour à Joseph Kabila kabange, c'est une déception. Po makambu ya boyi et c'est les mais il fallait ce qu'il y a au pouvoir. Bien sûr, aux en a pour sa certificat de nationalité. O le kinane. Anne vérifié. Est-ce que tu as des problèmes? Non. Oleki na DGM, Direction Générale de la Migration. Basali okoki ko bakoki ko sal. Ok, ça va. Ozongi siko na ministère à justice. Ministre à justice a posé ni naye pas. Comment contrôle ya certificat de sanité
et banda ko échappé na des services oyo parce que Kabila Joseph ayebaki makamba banda ko sala na avec les deux services aner na migration Kalev Mutonde na François Béhi. Kalev Mutonde oto mona ki pe awa donc andaza ki mutu ya pe perdé François Béhi awa dossier coup d'état banda ki na ko se faire soigner lokola Nicolas Kazadjaouti ko kende boyi. Pourquoi les politiques congolais Kassoki à côté de prison des jours, il faut qu'ils de se faire soigner à l'étranger. Tant que Nicolas Kazadjabanda ko gérer à tika ko koya malade té. Yemu to financer mama yemu. Mama yemu bien tapé bien donc yon surtout. Mais il fallait se faire soigner dans mama yemu monsieur Kazad. Attestation de nationalité. Infiltration bandan batrousu ba komana ba ba congolais kaka na certificat wa nzoka za na ye congolais te ayaki na ye awa ko tumba biloko na zando ba soso ba nini ako tumba ko tumba na matongé asali ko pasali ko pas ce certificat de nationalité akomi na ye congolais oh so ki ale kaka na ane ngeta la muto za étranger ayaki awa so ka le kaka na DGM non muto za étranger ko ko songote. Donc, ba infiltra biso kaka modèle wana, ba infiltra biso ba Rwandais ba kota awa, ba Ougandais ba kota awa, ba koma na bango ba Congolais. Na ba certificat wana. Ba kota na armée, ba kota na ba service belé. Donc, Kabila tika ki bouvoir koulele. Na lika. So ki lika mwana so yote za négligé. Donc, bravo, félicitations, la ministre de la Justice. Malgré ma makamusu sunga na yo, toi d'accord ti. Mais oyo, au moins, je suis d'accord avec vous. C'est une bonne décision. Mesdames et messieurs, de la outil qu'on rappelait, awa pe perdé les airs tamboué. Qu'est-ce que les airs tamboué nous dit? Et ça makamoué tolobaka awa chaque jour. Boko finga bisono, mobutu, yo kobuka lokuta, ozolo batro ko finga bisona ba commentaire. Mais Eliezer Tambo aye ko révélé et le ko mususu. Oyo tolobaka awa, c'était surtout Congo. Concernant les retours annoncés de Joseph Kabila en pouvoir. Mais Batunaye basi bazonga ki déjà. Batunaye basa déjà en pouvoir. Qu'est-ce que Eliezer Tambo nous dit? Nous avons lutté ensemble, mais au bout du compte, le PPRD vient de récupérer le pouvoir. Au bout du compte, le PPRD vient de récupérer le pouvoir. C'est ce que je disais ici chaque fois. Maintenant, c'est un député national, membre de la majorité présidentielle, Oiseau Loba Ango. Nous, qui avions lutté et qui sont dans le vrai combat de Etienne Tshisekedi, qui est le modèle de la démocratie, nous ne dépassons même pas 20% dans les gouvernements tout le temps. Aujourd'hui, nous qui avons lutté, nous sommes derrière les gens qui nous avions combattu. Eliezer Tambo, député national, il peut avoir raison. Il peut avoir raison. Il peut avoir raison. Si vous regardez très bien, on dirait Union Sacrée et Bombi Batoyo Balongwaki, soi-disant Balongwaki pas Kabila, Obajira Kimbo Kalobi. Ne vous inquiétez pas, ce qui est les airs tamboué député national à l'Obi Boye, ce n'est pas moi, ce sont ses propos. Et quand il a dit ça, personne n'a dû pouvoir contredire. Et les airs à l'Obi Makamboué Zalia Solo, aujourd'hui, Evariste Bouchab dans l'Union Sacrée, Jean-Charles Okoto du PPRD dans l'Union Sacrée, Vital Kamerhe, à l'époque, PPRD, Union Sacrée. Aujourd'hui, Modeste Baat Lukwebo, hier, dans la famille politique de Kabila, dans l'Union Sacrée. Aujourd'hui, Bazaï Bélé, liste Ezali Moulaï, liste Ezali Moulaï. Bazaï vraiment Bélé, Bamboso, Balumano bwana sefu batwana nyonso to bazaki na Joseph Tikabila bada kozanga 15 personnes
Yakosungaye. Bango bazala kinayi dans le régime passé. Kotanga ba kombo na bango. Tokotanga ba kombo na bango. Tous ces gens que vous voyez ici, oh non, bazala ki dans ce régime. Ata bazala ki ba ministre été. Les Jean-Pierre Liaou, bazala ki dans le régime de Kabila. Ils ont changé de camp. Mais celui-là, quand même, il a fait des performances à la fonction publique. Il a démontré de quoi il est capable. Asali Moussala n'a rien dénié Sengue. Mais ils étaient là-bas. Mais parmi ces gens, il y a des gens qui travaillent aussi sérieusement, M. Eliezer Tamboué. Et ce qu'il faut aussi savoir à la politique est dynamique. La politique est dynamique. Va changer quand? Bah, qu'on s'est servi, ou soit, bah, servir la République, c'est là où il y a le problème. Ce n'est pas parce que yo, bimi ministre était, il faut maintenant attaquer d'autres personnes, parce que bah, on va bimi ministre. Bon, bah, on va combattre le système, ou bien, bah, on va combattre les individus. À l'époque, bien sûr, combat, ils allaient combattre le système, le régime. Mais pas des individus. Pas des individus. Parce que tu as dit que la politique est dynamique. Ndenge na wutu kolobayango, awa. La politique est dynamique. Et je me souviens bien, tu vas nous combattre les systèmes. Où ils allaient qui awa. Nous sommes dans la dictature. En tout cas, bravo au CG Kabouya. Nous sommes dans la dictature. La dictature dans ce pays. Dictature. Quand on parle de la dictature, il n'y a pas même les élections. Comme à l'époque de Mobutu. On organise les élections candidats mort. Au voter vert, au voter jaune. Voter rouge. Ce qu'on voter rouge, bah, mon yo. Et les gardes civils, bah, zawana. Pour qu'on soit en haute, au bimina bureau de vote, ok, une destination inconnue. C'est que tu es contre la République. Là, c'est dans la dictature. Même là-bas, journaux, boy. Yo, comme contre, au bout. Mais attendez. Dictature, oh, bah, tu vas voir, c'est du soleil. Dictature. À l'époque de Kabila. Yo ça la marche. Yo bim. Mais ça qui casse la lacrymogène. Et tout le monde a sous la case lacrymogène. On va ta tête. Opposition, coup foi. Opposition, ça va se sauter. Opposition, ça qui au début, il y a régime Tshisekedi. Marche, marche, marche. Batikeli, bah, on va le voir. Meeting populaire, ça va se sauter. L'opposition n'existe plus. Monsieur Eliezer, nous sommes dans la politique. La politique est dynamique. Dans le combat, on était tous là-bas. Pour combattre les systèmes. Mais dans ce système, attends, on va Moukoko Samba Lelo. Excellence Moukoko Samba Bazalaki, dans le régime Kabila. Mais c'est quelqu'un, même Madame Toulouka, la première ministre. Bazalaki Wana va gérer Mboka Nata ya Kabila. Bazalaki Wana. Mais, à Moukoko Samba, nous avons constaté que même le temps de Kabila a géré Kabila. Dans le secteur, naïe. Mais sauf que le système, mon bimba, c'est là qui m'a bien, mais il y a quand même assez distingué. On combattait le système. On ne combattait pas les individus. Ce n'était pas des individus. C'était le système. Système avec qui m'a bien. Système avec qui m'a la mouté. Kabila n'a pas tout. Oyo, c'est là qui wana. Et ça, il y a une qui m'a lamenté. Aujourd'hui, nous dire que, oh non, bateau, oh yo, bazala, tu bandas pour combattre un débattu. Ce qui est au bandas pour combattre un débattu. Ah! Car à toi, nous, on combattait les systèmes. Mais, quelque part, bateau, oh yo, bako zo, kabazana, makanisme sous. Parce que toi, qui va au bâti, Kalikuna,
Ba oba tika li kuna oba bambaka batu milangi. Bazo ki saka batu na ba réunion. Ba kolo ba ki nous allons rentrer. Et loko moko ko salanini. Le ko empêche bi sauter. Si le régime change aujourd'hui, ceux qui peuvent perdre à Zongi, ou à Koké Kozonga, tu attends dans d'autres, dans le bis Soki. Ou Koké Kabatouan, comme on le bat. Oh non, c'était la politique de l'infiltration. C'était la politique de l'infiltration. Union sacrée au Bozo Mona. Union sacrée. Il y a des infiltrés. Il y a des égoïstes. Il y a des caméléons. Donc, baza batomoko baza na katuana, baza la kakote ma e kuchona. Nye bako bango, baza la yini, bako landape bako kende. Bambisi. Bambisi politique pour des intérêts égoïstes. Donc, bako ti na union sacrée, bako sa yi même na ba idéologie à partir na bango. Il y a des gens baza ou se distingue. Bako ti vraiment na vision moko zamoka. Mesdames et messieurs, nous passons parce que Tokomo qui déjà dans souka émission na biso, Isaïli Kamuyangonga, une dénonciation pour outil ko landa na réseaux sociaux denge mutu ya moto azali ko beta police à roulage. Démocratie en pays. Et comme ma biso na n'importe quoi. Quelqu'un qui est habillé en drapeau national. Mais Moutoua Moto, Azali Kobetaï. En tout cas, on condamne vraiment cet acte. Et nous interpellons les ministres de l'Intérieur, M. Jacquemin Chabani. Il se peuple congolais, nous en avons ça ou la qui s'habille de quoi vous êtes capable. Ministre de l'Intérieur, ministère des Transports. Il faut qu'on ait banani à qui qu'on voulait, nani à qui qu'on soit permis de conduire. Quand on a comment les choses n'a permis de conduire, en gros, il faut les casseurs se peinent à déjà, peinent à nez. Permis de conduire. Parce que mon paya quoi, a permis de conduire, il a bouillité. C'est aussi une idée. Même permis de conduire. Parce que ça n'a pas de paille à Bazawa, il ne faut pas rouler, il ne faut pas avoir un permis de conduire. Rébité, ou soit, il y a une exclusivité pour la banane en boca. Donc, on va rouler à Kananin. En tout cas, vidéo, ça n'a pas si. Dernier mouton moto, ça n'a pas bêta. Un policier, il n'a pas de raté. Policier, il n'a pas besoin de l'État. Ça, c'est un symbole de l'État. Aussi, les policiers ont tenu les infractions, mais ils ont déchiré, tenu naïe, ils ont bêtisé, et les gens ont dit qu'on s'éca. Dans les réseaux sociaux, pour dire que, type wana a bêtisé KO. Mais non! Aux autorités militaires et civiles. En tout cas, toi na moto akoki kozala na mbeba biso tokoye bate la population bakoya kaka po ba hurler sur un policier de roulage. Or ils abato bazo se sacrifier na moyi na mbula pour na ko travailler pour la république. C'est vraiment désolant ba acte ya boui. Nous condamnons cela. Moi personnellement je ne suis pas d'accord. Parce qu'il va te battre aussi. Mesdames et messieurs, j'ai lu quelque part. Là, c'est sur Jeune Afrique. Quelque part sur Jeune Afrique. Bakolo Babouye. Fulgence Moteba est un dur à couir à la tête de l'épiscopat. Est un dur à couir. À la tête de l'épiscopat. Là, c'est Jeune Afrique. Média, oh, les awana, y'a pas Occident, tout, oui, déjà Jeune Afrique.
Isaïe est occidentaux. Ici, des pages de titres s'achètent à 50 000 dollars, à 40 000, à 30 000 dollars. L'union se trouve au Yébili Kambouya, Chéribert Okende, avec les journalistes congolais au Akota Kiboloko Awa. Dengue Baba Gopé sa information le Kouta. Mais aujourd'hui, Filjan Soumouteba est dur à cuire à la tête de l'épiscopat. Mais n'a pas cuire Filjan Soumouteba. Parce que c'est un pasteur. C'est un dur à cuire. Non. Ce qui est, nous avons placé Filjan Soumouteba à la tête de la SECO. Vous, les Occidentaux, vous savez Filjan Sazalawana. Pour faire l'opposition à deuxième mandat, Félix Antoine Tshisekedi de Tshilombo, vous avez tiré par terre, ça sera un coup de paix dans l'océan. Et nous, peuple congolais, on comprendra que Senko et Zawana, pour s'opposer au Senko et Zapé Église Mobimbati. Et quand vous parlez indur et à l'épiscopat, vous oubliez Ambongo qui est le cardinal. Ambongo est le cardinal. Et cet épiscopat, Isakaka, il y a un évêque ici au Congo. Filigien Soumouteba est là, bien sûr. Et il est dur à cuire par rapport à quoi? Qui va cuire? Awa, Filigien Soumouteba. Il doit faire son travail. Il y a 5 ans. Il va faire son travail dans la société civile. Donc, 5 ans, Isakakande. Parti politique. Mais on avait un Otembi ici, un homme de valeur. Nacho Leoya Longwakate, Monseigneur. Et je cite aussi en passant. Et quand vous dites que Mouteba est là, Mouteba, tu es très bien. Mouteba, a ça déjà, na odeur, il y a opposition. Mouteba a l'odeur de l'opposition. Mouteba était avec Katumbi plusieurs fois. Mouteba était chez Katumbi, Katumbi en culotte. Ayamba Mouteba. Est-ce que c'est un dur à cuire? Est-ce que Mouteba est un dur à cuire? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Parce que Yemoko déjà, a sa connotation Mokoboui, politique. Il est toutefois chez Katumbi. Et c'est aussi un tribal. C'est un tribal. Ces messieurs, aujourd'hui à la tête de la Cinco, et ne pensez pas que l'Église appartient à Mouteba. L'Église, c'est à Bissonnion surtout. Sauf qu'il y a Zawana comme pasteur. Nakokamba, selon l'organisation de l'Église. Vous pensez que Baban est avide de Mouteba, la méditation, toi, à côté à Baban. Les Occidentaux. Vous cherchez à manipuler même l'Église, non. Parce que vous n'avez pas avancé. Vous allez que ça, la laisse la République. Vous allez tout chercher à cause de la corne, dans la rébellion. C'est ce que vous faites maintenant dans l'Église. L'histoire des smartphones. Les smartphones. Mbappé, ça, à la Cinco, c'est déjà l'odeur de l'opposition au sein de l'Église. J'ai vu Ambongo célébrer demain ceci. Naliwe papa Nabiso, Ndeko Nabiso, Kouloutou Nabiso, Cheribe Okende, mais à l'Église, on insulte le président de la République. C'est ça l'Église aujourd'hui, l'Église de l'opposition. Et quand vous nous dites que Mouteba est un dur à cuire, est un dur à cuire à la tête de l'épiscopat, ah, oh, mais non. Il faut faire son travail et céder la place de Yango. On n'a plus peur de ces gens parce que Toyebi Bango, comment il roule? Et pour qui il roule? Pour qui il roule? Bah, occidentaux, pour la titre à Lokuta, on a vu Boujakouira faire la prison ici, pour la Lokuta. On a vu Moïse Katumbi donner des smartphones, Olivier Kamitato à l'ECA, dans vos médias, pour confirmer Yango, pour Pessa Yango na 5 ans.
On a vu les évêques, na conclave et Salma na katanga awa, manger, boire même du vin avec Moïse Katumbi. Après conclave, oh la soba on a na charge. Et Moïse Katumbi a laissé l'un de ses collaborateurs ici entre les mains de la Demiap à qui n'a na conclave wana parce que ça qui na masolo. Après conclave, bah quelqu'un peut sa compte rendu à Monsieur Moïse Katumbi. Tu y as mis déjà Mouteba a une connotation. Et puis j'ai dit bien, à ça avec beaucoup tribal. Bato, oh yo, bazar, ma kambou ya ciseaux, ya kokata katanga. Et comment, province, et comment pays à part, ce sont les Mouteba. Et quand vous dites que c'est un dur à couir, vous les Occidentaux, c'est par rapport à quoi? Que n'a qu'à sa église, bako kokayete, ou soit c'est dans la politique. Voilà aujourd'hui, vous l'exposez. Toyebi est déjà qu'il est là pour ça. Mais en kokokate, parce que le peuple congolais va comprendre déjà, passe d'abus au bisikeze outa. Le régime passé, n'a mindele, n'a pas congolais, m'sou samite, mamabele, tomo yelo, bari, magi, bakorne, n'a pas kaye rébellion. Si Mouté Baza indira couir à l'église, ah, là c'est au sein de l'église, là il faut mettre de l'ordre. Mais si c'est de la politique active, la politique congolaise, il doit se choisir un parti politique. C'est que comme un parti politique. Et vous verrez. Et vous pensez que ce que vous faites là, c'est que tout ce que fait la Senko, bah fidèle, bah ça d'accord, on a bango. Je ne pense pas. À vous de me répondre dans les commentaires. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission, mesdames et messieurs. Merci pour la disponibilité. Merci pour votre temps, de partout où vous vous retrouvez. Continuez toujours à nous suivre. Nous sommes là pour vous servir. Merci. Et l'équipe technique de DRC Télévision, je l'ai toujours dit. La RDC restera toujours notre dénominateur commun. Et restez toujours branchés sur cette chaîne par excellence. Merci.